Alors que le nouveau show des Enfoirés sera diffusé ce vendredi 9 mars sur TF1, Non Stop People vous propose de parcourir la longue liste des membres emblématiques de la qui n'ont pas pu se rendre au rendez-vous. Cette année, l'heure est à la nouveauté au sein de la troupe des Enfoirés. Suite au départ de Jean-Jacques Goldman, le leader de la « plusieurs choses ont dû être réorganisées ». Ainsi, ce sont désormais Laurie, Michael Youn et Benabar qui se chargent de la mise en scène du show. Mais ce n'est pas la seule nouveauté qui attend les téléspectateurs à l'antenne de TF1. Pour cette édition 2018, plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans la troupe. Parmi elles la « Fifi », aperçue dans les films « Alibi » et « Babysitter ». Si plusieurs petits nouveaux seront de la partie, certains membres emblématiques des Enfoirés, eux, seront en revanche absents au rendez-vous. Jeff Panaclock absent du show, très occupé par leur propre carrière professionnelle, certains artistes se sont retrouvés dans l'incapacité de libérer du temps pour le show. Tout comme Chaim, Nolwenn Leroy a ainsi révélé qu'elle ne pas participer au concert au profit des Restos du Cœur en raison de la tournée de son dernier album, J'aime. De son côté, M. Pokora a lui récemment annoncé qu'il faisait une pause dans sa carrière. En couple avec Christina Milan, il partage désormais sa vie entre la France et les États-Unis et profite de son temps libre pour se ressourcer loin de toute agitation médiatique. Comme si cela ne suffisait pas, les téléspectateurs devront également se passer de Maxime Le Forestier, Grégoire, Pascal Obispo et Garou, qui ne se sont cependant pas épanchés sur les raisons de leur absence. Même chose pour Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Monnier et Jeff Panaclock, qui manqueront malheureusement à l'appel, par Lana Muller.